Steam Bass is an innovative process for controlling the aeration of activated sludge. It's based on continuous measurement of the ammonium and nitrate concentration in processing tanks. During the pollution removal phase, using bacteria that are naturally present in sludge, prolonged aeration is essential in order to comply with the applicable quality parameters for waste. Green Bass allows airflow needed to treat effluent to be precisely controlled, thereby reducing the treatment plant's overall power consumption. Indeed, power consumption is the second largest expenditure item for a treatment plant. La station Vitale de Dijon est une grosse station d'épuration qui traite 400 000 équivalents habitants et qui possède une filière de traitement des boues un petit peu particulière avec une incinération couplée à un séchage des boues. Le premier poste de dépense, c'est la main-d'œuvre. Ensuite va venir l'énergie. L'aération va représenter 45% de l'énergie consommée sur la station. Le système complet, en fait, est un programme qui pilote le temps d'aération des bassins, les séquences d'aération, donc le temps aération-non-aération, à partir des mesures qui sont faites par des sondes trempant dans les bassins d'aération. Par rapport au système d'aération classique qui se font soit par des systèmes d'horloge sur des bases théoriques, soit par un pilotage à partir de sondes d'oxygène dissous redox, le système Green Bass permet de vraiment affiner les temps d'aération et de non-aération par rapport à la dégradation de l'azote. Donc le système Green Bass, lui, permet de piloter les surpresseurs qui alimentent l'aération des bassins en fonction de ses teneurs. Donc sur des temps qui sont vraiment adaptés, je dirais, à la suffisance, aux besoins des bactéries pour transformer le NH4 en NO3 et ensuite le NO3 en azote gazeux. On est arrivé à des résultats d'économie d'énergie qui étaient de l'ordre de 15%. Ce qui représente entre, si on ramenait ça sur un an, ça représente environ 60 à 70 kilo-euros. Ça demande plus de technicité au départ, à la mise en route pour les calibrations, mais ensuite au niveau de l'exploitation courante, de l'entretien, on n'a pas forcément plus de contraintes qu'avec les autres systèmes, les sondes redox ou les sondes d'oxygène. Évidemment, c'est un système qui permet de réaliser de réelles économies en pilotant sa station au plus près de ce qui se passe réellement dans les bassins.